Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette rapide, simple et facile à faire. Donc c'est du poulet au curry. Je l'ai accompagné du riz. Je vous laisse avec la recette et les ingrédients. Je commence par couper donc mon blanc de poulet que j'ai laissé au congélateur une demi-heure pour faciliter donc la tâche. Donc, le fait de le laisser au congélateur, ça va durcir un peu et ça va vous permettre donc de le couper facilement en morceaux. Donc, on essaye de le couper en petits morceaux réguliers pour avoir une cuisson régulière aussi. Je mets par la suite les morceaux de poulet dans une boîte, je poivre, je sale, j'ajoute de la sauce de soja. La sauce de soja apporte énormément de goût. Et bien sûr, du curry. Donc voilà, je ferme ma boîte, je mets au réfrigérateur donc toute une nuit. Voilà, vous pouvez laisser au minimum une heure, mais le fait de la laisser toute la nuit, donc ça permet à mes blancs de poulet de bien mariner et avoir un goût magnifique à la cuisson. Donc voilà, le lendemain, j'ai pris mon wok, j'ai mis un peu de beurre, donc que j'ai laissé fondre. J'ai ajouté donc un oignon bien émincé, que je fais donc revenir dans le beurre. Voilà. J'ajoute par la suite mes morceaux donc de poulet bien marinés toute une nuit au réfrigérateur. Voilà. Je mélange bien et je laisse revenir donc sur un feu moyen. Là, mes blancs de poulet donc sont presque cuits. Je rectifie l'assaisonnement en ajoutant donc du curry. Vous pouvez ajouter même du poivre selon votre convenance quand vous le souhaitez. Donc voilà, je mélange encore. J'ajoute par la suite un demi-verre de bouillon de volaille et 5 à 6 cuillères de crème fraîche épaisse. Donc, je mélange bien et je laisse ma sauce lier sur un feu moyen en la remuant. Donc, il faut bien mélanger et bien remuer jusqu'à ce que la sauce devienne épaisse. Donc, voilà, environ 10 minutes à peu près. Là, c'est bon, ma sauce est prête, donc je coupe le feu. Voilà. Donc c'est vraiment une sauce magnifique pour accompagner donc le riz. Surtout ça marche très bien avec du riz. Vous pouvez l'accompagner bien sûr avec des frites ou des pâtes, mais ça marche beaucoup plus avec du riz. Donc voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Une recette simple, rapide et savoureuse. Voilà, du poulet au curry accompagné du riz. Voilà. Donc j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser vos commentaires et les pouces bleus. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres recettes. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!